Salut à tous, c'est Pong de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du Five Pass de Calbagnan et en l'occurrence de l'étape numéro 3 qui va être le pardon pour les autres personnes. Alors, pour Cal, ça c'est un des points qui est vraiment hyper important. Bien sûr, la régression reste la clé de sa méthode. Néanmoins, après, il va passer le 3 et le 4, donc les deux autres étapes, sur la notion de pardon. Il met en avant le pardon comme étant un élément libérateur pour le partenaire. Qu'importe qu'il ait pu vivre les pires atrocités, son idée est vraiment, un moment ou un autre, de pouvoir laisser le partenaire pardonner. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant il va aimer la personne ou il va être dans une notion de compassion et tout. C'est juste un recadrage sur la notion de si tu pardonnes, c'est-à-dire que si tu laisses partir cette notion-là, tu vas pouvoir, toi, te libérer et te sentir plus en phase. Et en gros, tu ne le fais pas pour l'autre, mais tu le fais clairement pour toi. Et il commence donc son cheminement une fois on a fait les régressions. On va admettre qu'on a eu une session d'introduction, une session de régression. Là, on arrive à la session 3. La session 3, il va valider dans un premier temps tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été proposé, et voir si la régression a permis au partenaire déjà de se sentir mieux. La plupart du temps, c'est le cas. Et après, il y a souvent donc ces trois émotions de base sur lesquelles lui, il reste particulièrement, c'est-à-dire la colère, la culpabilité et la tristesse, il va travailler sur le fait de pouvoir pardonner. Et il va donc il reprend une notion gestaltique en fait. Donc on a déjà vu, je vous l'avais proposé sur une des vidéos, la notion de la chaise vide. Bon, alors lui, il le met physiquement, il met une chaise vide dans le cabinet, même si après il l'utilise pas du tout, sachant que il fait plus ou moins allonger son partenaire pendant la session. Là, ce qu'il va faire, c'est en gros, pour que la personne dans son esprit se dise, ah, je vais parler à quelqu'un, il va créer une zone. Donc, hein, on refait un principe inductif, etc., etc. Et on arrive dans une zone, et c'est une zone de dialogue où va y avoir sa chaise, la chaise du partenaire, et une chaise vide dans laquelle il va faire apparaître la personne qui a été, on va dire, l'initiateur ou l'initiatrice du traumatisme. Et à partir de là, va commencer un dialogue. Il appuie beaucoup sur le principe d'être très vrai et très sincère pendant ce dialogue-là. Donc, il met particulièrement en avant l'idée de dire, les gars, il faut pas faire en sorte que l'autre l'aime ou qu'il change son émotion. Il peut être très, très en colère, il peut être très triste ou il peut se sentir coupable, etc. Juste, l'idée, c'est de permettre au travers de tout ce qu'il y a à dire, donc lui, il veut vraiment que le partenaire exprime ce qu'il a à dire. Ça, c'est un trait commun qu'on retrouve avec la rupture de lien. Faites dire à votre partenaire l'ensemble des éléments qu'il a à dire et faites-le l'exprimer. N'hésitez pas, dans ce cas-là, à utiliser un coussin ou autre, quitte à ce que ils l'engueulent, ils disent que c'est une saloperie, qu'il veut la taper, qu'on s'en fout. On veut vraiment à ce moment-là, c'est un moment de libération émotionnelle qui est assez intense. Et donc, dans ce dialogue-là qui va y avoir symboliquement entre la personne qui est considérée comme responsable du trauma et notre partenaire, il faut vraiment qu'il y ait un lâcher-prise physique, émotionnel, mental. Donc, le praticien, il est amené à pousser, exagérer complètement le cheminement pour que le partenaire puisse exprimer le plus possible. Et n'hésitez pas donc à avoir un coussin ou un pao pour que la personne puisse taper et pousser vers cette émergence, on va dire, émotionnelle, parce qu'on n'est pas du tout sur une abréaction. Il peut y avoir à ce moment-là une abréaction. Néanmoins, la plupart du temps, c'est simplement des poussées émotionnelles afin que la personne, vis-à-vis de la personne qui a été son bourreau, admettons,
elle puisse avoir un apaisement et qu'à un moment ou un autre, on arrive à est-ce que tu es prêt à pardonner? Et là, vraiment, on précise bien, c'est pas l'aimer, c'est pas en avoir une image positive ou autre, hein, si la personne t'a violé ou t'as tué quelqu'un de ta famille ou autre, non, il n'y a pas à l'aimer, il y a juste à pardonner dans le sens à dire le passé est le passé et de toute façon, j'ai plus de lien et je veux plus avoir de lien avec toi, mais pour ça, il faut que je pardonne, ne serait-ce qu'une partie de moi, de garder encore autant de haine et de colère vis-à-vis de toi pour que tu puisses dégager de ma vie, de ma pensée, de ma psyché. On le voit ça très régulièrement chez nos partenaires qui passent leur temps en fait à revivre leur passé et qui donnent cette espèce de sensation d'être tout le temps l'enfant qui a été blessé, martyrisé, opprimé, non aimé, etc. Et c'est comme si quand ils nous parlent, ils sont encore cet enfant-là. Et là, l'idée, c'est vraiment dire, bah ça aussi, il faut que tu lui dises au revoir, faut que tu pardonnes à l'enfant que tu as été, qui a pas pu se défendre, qui a pas pu dire, qui a pas pu exprimer, etc., etc. Il faut aussi que tu pardonnes ça pour passer à autre chose et avoir une notion de transition. Donc, dans la notion de Banyan, il y a vraiment, à ce moment-là, un devoir de faire pardonner. Tant que le partenaire ne pardonne pas et continue la session avec qu'est-ce que tu as exprimé, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à rejeter, à haïr, etc. On pourrait éventuellement, là, c'est pas forcément banyanien, mais reprendre une notion qu'avait Justine Belitz ce week-end là au séminaire. Il disait bah, vous pouvez éventuellement faire un listing des choses qui vous viennent à l'esprit vis-à-vis de cette personne-là et commencer à travailler sur chacun des points. Et ça peut être intéressant à mettre en place pendant la session. Tous les trucs que la personne a trouvé horribles, nauséabonds, etc. Alors parfois, quand c'est une agression ponctuelle, là c'est différent et là on va rester que sur les trucs négatifs. Parfois, quand c'est quelque chose avec un parent ou autre, le parent a pu être un salopard 97% du temps et ça se trouve, on a trouvé 3% ou 2% du temps un sourire, un Noël, un truc, un bidule, où il y a eu un peu d'attention, même un minime. Et ça peut permettre d'être un switch pour le partenaire pour dire, ok, ça a été un salopard, je le déteste et je ne veux plus jamais en entendre parler. Et il y a quand même un petit truc qui est pas si négatif que ça, je dis pas positif, hein, pas si négatif que ça, et qui va permettre à ce moment-là de beaucoup plus facilement laisser aller le pardon et donc faire disparaître petit à petit cette notion-là. Une fois que c'est pardonné, une fois que la personne est prête à pardonner, vraiment, faites-le dire à voix haute. Je pardonne, je te pardonne maman, je te pardonne papa, je te pardonne Joe, Michael, Jimmy, on s'en fout. Et que la personne aille chercher à l'intérieur. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe en toi là? Parce que ça permet vraiment de noter qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose d'important. On est toujours sur notre notion de expérience, signification, etc. Lui, il aime bien faire un élément que je trouve intéressant. Il dit, à partir de maintenant, je sais que. Ok, donc là, il parle au mental. Il demande de compléter la phrase. Et je ressens que. Et il fait encore compléter la phrase. Et je vais agir de telle façon. En gros, on est vraiment dans changement M du meaning de la signification. Donc ça va jouer sur l'aspect mental. Je ressens que ça va être l'émotion, feeling, et je vais faire ou je vais fonctionner, c'est sur le comportemental. Et il fait finir la phrase du partenaire pour qu'en fait il crée une autosuggestion vis-à-vis de ça. Et parfois qu'ils prennent conscience dans son autosuggestion de ce qu'il est en train de se proposer. Ça, je trouve que c'est très très bien de finir la session du pardon pour l'autre de cette façon-là. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur cette étape-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. D1, ciao!